بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيخ سوف شيخ خير مرحبا بكم merci de nous rejoindre sur Canada Jury d'être au rendez-vous de notre émission merci docteur Jouhri d'être parmi nous pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs et cette semaine nous vivons nous célébrerons bon nous vivons le mois des lumières, Shahr al-Anwar. Les lumières de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons célébrer l'anniversaire, la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'en tirer les leçons, nous en avons tellement besoin. Bien sûr. Avec cette conjoncture, avec l'actualité, nous en avons tellement besoin. Mais à chaque fois que cet anniversaire arrive, il y a toujours des uns et des autres qui répètent le même disque. C'est de l'innovation, c'est bid'a. Nous ne devons pas célébrer cette... Qu'en dites-vous, docteur Touhari? Bismillah, salatu salam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa min wala. Chers frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parler de la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une chose qui est chère à nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous devons avoir ce sentiment-là d'attachement à notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et d'avoir en quelque sorte de l'amour et de chérir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça rentre dans les grands piliers de notre religion. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in » C'est-à-dire, vous ne serez jamais parmi ceux qui ont atteint le summum de la foi, sauf si je serai le préféré dans vos cœurs, mieux que vos parents, vos enfants, et mieux que soi-même, et mieux que tous les êtres humains qui vous sont chers. Dire que célébrer la naissance du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une mauvaise innovation, bid'a, siya, ça, c'est archi faux. Pourquoi? Ça, c'est l'innovation. Pourquoi? Parce que eux, ils trouvent en quelque sorte un alibi, une excuse, une ruse, on va dire. C'est une ruse qui n'est pas valable. Ils disent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais célébré. Et puis les sahaba, les compagnons aussi ne l'ont jamais célébré. Et chaque chose que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait est considéré comme étant une innovation. Et cette ruse-là n'est pas valable. Est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait est considéré comme une innovation? Si on suit leur, en quelque sorte, leur voie de pensée, on va éliminer beaucoup de choses qui sont ancrées en quelque sorte dans notre pensée islamique et notre pratique quotidienne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tous les versets du Coran pour les mettre dans un mushaf? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Ce sont les sahaba, Abu Bakr et Omar qui ont fait ça premièrement. Et d'ailleurs, quand Omar a proposé cette proposition à Abu Bakr Siddiq, en étant le calife des musulmans, Abu Bakr a dit, comment ferais-je une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? C'est-à-dire, il avait aussi, en quelque sorte, on va dire, choubha, c'est-à-dire, cette illusion, voilà. Et puis, après qu'il a été convaincu par Omar
qu'il devrait rassembler tout ce qui a été écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait beaucoup de sahaba, beaucoup de compagnons qui étaient morts lors des batailles contre les mécréants, contre ceux qui refusaient de donner leur zakat aussi, al-murtaddin et mani'i zakat. Abu Bakr Siddiq était que convaincu. Et lorsqu'il a dit peut-être que ça sera une innovation, et Omar a répliqué en disant ni'matul bid'ati hiya, c'est-à-dire c'est une bonne innovation. Et dans ce sens aussi, Uthman ibn Affan, quand il était calife, il a organisé une commission pour réécrire Stinser, pour réécrire le Coran dans un mushaf. Et puis ce mushaf-là a subi aussi des améliorations de par le temps, c'est-à-dire de mettre la ponctuation, de mettre les versets, les numéros des versets, de mettre des améliorations par rapport aux lettres qui sont semblables, c'est-à-dire mettre Sin ou Shin, il faut mettre trois points. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que cela, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam l'a fait? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a légifié ce qu'on appelle le premier appel le jour du vendredi? C'est-à-dire, il y a deux appels. Au temps du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, il n'y en avait qu'un appel le jour du vendredi. Et puis, Uthman ibn Affan a rajouté ce deuxième appel-là. Et beaucoup de choses, si on s'étale sur cette idée-là, beaucoup de choses ont été innovées, mais qui ont en quelque sorte un lien direct avec le Coran, avec la tradition du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et n'ont jamais été à la place des enseignements du Coran ou des enseignements du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Docteur, pardon, nous rappelons dans ce direct que nous avons mis à la disposition un numéro de téléphone pour nous contacter. Le numéro est 021 23 98 91. Je répète, 021 23 98 91. Alors, si on va, Inch'Allah, continuer dans cette explication-là, parce qu'elle est d'importance. Pourquoi cette explication-là? C'est pour, en quelque sorte, enlever ce voile-là. C'est-à-dire devant les yeux des gens qui disent que toutes choses, voilà le doute, toutes choses que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas fait est considéré comme étant une innovation et puis une mauvaise innovation. Toutes les sciences que les musulmans ont créées, hein, les sciences du Coran, les sciences des hadiths, les sciences de la jurisprudence, les sources de la jurisprudence, usul al-fiqh, les sciences de la langue arabe, etc., pour essayer en quelque sorte de mieux comprendre les textes, que ce soit les textes du Coran ou les textes de la tradition. De mieux comprendre et de mieux transmettre. Et de mieux transmettre, ce sont tous des innovations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais créées en son temps. Mais on ne peut pas effacer cela de ce qui a un rapport direct avec la pratique quotidienne de l'islam. Si on suit cette idéologie-là qui dit que toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait et considéré comme étant une mauvaise innovation, on va éliminer toutes les sciences que les musulmans ont créées pour mieux clarifier l'islam. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Mohammed, jeûnait le voilà, lundi. Voilà, j'allais y arriver. Et jeûnait le lundi, lorsque on lui a demandé Barakallahu pourquoi, fiqh. Vous jeûnez le lundi. Car c'est le jour de ma naissance. Barakallahu fiqh. Allah yzid fadlak. Là, c'est le premier volet, c'est-à-dire c'est pour enlever un petit peu le doute. Parce que ce n'est pas toute chose. Même s'il n'a pas jeûné le jeûne, déjà, les principes de l'amélioration, en quelque sorte, de la pratique religieuse, nous disent qu'il faut innover, en quelque sorte, pour améliorer.
car l'islam va servir en quelque sorte de guide à l'humanité jusqu'à la fin des jours de l'humanité. Nous voilà. avons bout du fil, docteur. On va y revenir. Bout du fil, madame Malika de Bebloued. Allô, allô, marhaba. Allô. Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, marhaba. S'il vous plaît, je veux me renseigner auprès de vous, les docteurs, s'il vous plaît. واش من صورة اسم الاسم تاع الصورة الأخيرة اللي نزلت في القرآن الكريم dernière sourate ou la dernière verset dernier verset non pardon pas le dernier verset آخر سورة parce que j'ai entendu c'est juste pour confirmer non mais qu'est-ce une sourate entièrement qui est la dernière sourate. Il y a une divergence entre les versets. Il y en a qui ont dit que le dernier verset, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Des autres ont dit wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. On a parlé du dernier verset. Toute une sourate complète qui a été révélée, c'est la sourate d'An-Nasr, Iza ja'a Nasrullahi wal-Fath, comme étant une sourate complète qui a été révélée, non pas révélée par verset. Mais entièrement. Voilà, entièrement. Est-ce qu'elle est toujours au bout du fil, Madame Malika? Elle est avec nous toujours? Oui, bien, je suis avec vous. Vous avez entendu. Anaya, ce que j'ai entendu. Oui. C'est juste pour confirmer, ce matin, Billy, sorte Nour. Nour. Non. Oui. Non. Elle a été révélée l'année 5 ou 6 de la révélation. Oui. Non. C'est sorte. Il y a des versets. Je peux confirmer que c'est sorte Nour. Voilà, d'ailleurs, un des compagnons, lorsqu'il a entendu Sourate An-Nasr, car c'est la mort du prophète est proche. Voilà. C'est comme s'il y a il a deviné, une annonce d'après cette sourate, de l'approche du décès du prophète. Il a compris que c'est le décès de Sourate An-Nasr est proche. Voilà. D'accord, madame. Marhaba. Alors, le deuxième volet de notre réponse par rapport à ceux qui disent que le prophète alayhi salam n'a jamais célébré sa naissance, on va leur dire vous êtes en quelque sorte dans le faux, parce que déjà, le prophète alayhi salam a célébré sa naissance. Déjà, il l'a célébré par le jeûne de chaque lundi de chaque semaine. Et quand il a été interrogé sur le jeûne de ce jour-là, il a dit explicitement ذاك يوم ولدت فيه وأنزل فيه علي. C'est-à-dire, c'est le jour de ma naissance et puis le jour lorsque Jibril m'a révélé les premiers versets du Coran. C'était la nuit d'un lundi aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour-là pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir choisi ce jour-là pour qu'il soit né en ce jour. C'est comme l'a fait Moussa alayhi salam lorsqu'il a célébré à chaque année le dixième du mois de Muharram, le premier mois de l'année lunaire. Pourquoi? Pour célébrer et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y avait un événement, il y avait une chose énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager et son peuple. Il les a sauvés des mains de Pharaon et de ses soldats. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a tracé un chemin dans la mer, c'est-à-dire pour Moïse et pour ses compagnons. Pour permettre. Très bien. C'est-à-dire on tire le principe de célébrer les grands jours. Voilà.
Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Moussa alayhi salam, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, il a pris ce jour-là de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son peuple pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûner, il a ordonné à Bani Israël, son peuple, de jeûner cette journée-là jusqu'à la fin des jours. Et puis, elle a été prise par les musulmans aussi pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Du même fait, hein, de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la journée de sa naissance pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala chaque semaine et de la jeûner. Ça veut dire que ce jour-là est un grand jour. Ce jour-là, c'est le jour de la miséricorde. Et puis, ce jour-là, la miséricorde a été donnée à l'humanité. Inna rahmatul muhdad. Je suis la miséricorde offerte par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un propos du prophète alayhi wa sallam. Inna ana rahmatul muhdad. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Il lui a dit aussi, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. C'est-à-dire, pour cette miséricorde-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à l'humanité, l'humanité doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et doit, c'est-à-dire être contente pour cela, et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation bien sûr du Coran. Mais le fait de dire, docteur Johri, que les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas fêté ce jour, le jour de la naissance de notre prophète, ils l'ont pas fêté, oui, mais ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas fêter. Voilà, c'est ça. Hein? Et je vais vous rajouter une autre chose. C'est-à-dire, c'est une preuve aussi que le prophète alayhi a donné de l'importance au jour de sa naissance et à toute sa vie, toutes les années qui est succédé une après les autres, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Le prophète alayhi, lorsqu'il a fait son pèlerinage, le seul pèlerinage, oui, il a fait son pèlerinage de la façon de l'Ifrad. Et lorsque quelqu'un fait son pèlerinage avec la façon de l'Ifrad, il n'aura pas, c'est-à-dire, il ne sera pas demandé, il ne sera pas demandé d'égorger, de sacrifier une bête, l'hadi. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme sacrifice une centaine de chameaux et de dromadaires, miyat naqa. Oui. Et de sa main, alayhi salatu wassalam, il en a égorgé précisément 63 bêtes. Et le reste qui est resté, 37, voilà, c'est-à-dire 63 années. C'est-à-dire, chaque année, il y a une bête sacrifiée pour rendre grâce à Allah, si, subhanahu wa ta'ala. Si on a mis 63 bougies sur un... voilà, c'est comme si. Voilà, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous transmettre un message. Toutes les années qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont importantes dans sa biographie. C'est-à-dire qu'en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas commencer sa vie et la raconter après la révélation, c'est-à-dire de 40 ans et plus. Si c'était comme ça, le prophète alayhi wa sallam aurait égorgé 23 bêtes seulement. Mais il a égorgé de sa main 63 bêtes pour nous dire que depuis ma naissance, toutes les années, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis ma naissance, ma vie est considérable. C'est-à-dire, est considérée. Et on doit la prendre en considération. Comment qu'on ne peut pas la prendre en considération? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam après 40 ans de sa naissance, après la révélation, en révélant au prophète et à Quraysh, il y a 40 ans de cela ou plus, l'événement qui a accompagné la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un événement-là que tous les Arabes ont entendu. Et ils ont même donné l'appellation de cette année-là par cet événement-là, l'année de l'éléphant, Am el-Fil. Hein? Lorsqu'il n'y avait pas de messager sur terre, il n'y avait pas de prophète sur terre, mais Allah subhanahu wa ta'ala
a fait écouler en quelque sorte un miracle, on va dire. Et de ce que nous connaissons, les miracles accompagnent les prophètes. Et ils accompagnent les messagers pour être une preuve de leur de leur intégrité et de ne pas être en quelque sorte de ne pas induire les gens dans l'erreur. C'est pour ça les gens du livre savaient que c'est le moment de l'apparition du dernier prophète. Barakallahu fik. C'est alors, par ces signes là. Alors le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, et il l'a donné à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a créé les êtres humains et peut changer leur destin de la façon dont il le veut, hein. C'est-à-dire, il a fait de sorte que cet événement-là accompagne la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était avant quelques jours seulement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abraha ibn al-Ashram al-Habashi, qui était le gouverneur du Yémen, venait avec une grande armée, avec des éléphants, pour détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a anéanti, lui et son armée, par le fait que ces éléphants-là l'ont poursuivi devant les Mekwas, quand Abd al-Muttalib, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé Abraha al-Ashram pour demander en quelque sorte... L'un des notoires de la Mecque. Voilà, et qui était des notoires de la Mecque. Et il lui a demandé de leur donner en quelque sorte... Une assurance, voilà son assurance pour ne pas ne pas les anéantir. Et Abraha ibn Ashram lui a donné cette assurance là et il a dit je ne suis venu que pour cette maison là, cette bâtisse, voilà, en pointant le doigt vers la Kaaba. Et Abd al-Muttalib lui a dit alors لِلْكَعْبَةِ رَبُّنْ يَحْمِيهَا. Cette bâtisse-là a un Dieu qui va la préserver. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et il a envoyé aussi, sous les yeux des Qurashites, des oiseaux qui avaient dans Tayran Ababil, Tarmihim Fajalahum Ka'asfin Ma'kul. Pourquoi cet événement-là s'est produit pendant cette année-là, juste avant quelques jours de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas vraiment un signe que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait très très importante pour l'humanité. Il y a un événement, il y a un miracle s'était introduit, et puis il n'y avait pas de messager sur terre. C'était le messager qui était venu juste après pour rallier les deux choses, les deux événements qui ont de l'importance. D'accord. Voilà. Je rappelle le numéro de téléphone pour nous contacter. C'est le 021-23-98-91. 021-23-98-91. Docteur Djouhri, lorsqu'on fête, on célèbre cette occasion chère, c'est un moment de prise de conscience. Bien sûr. Il faut, à chaque année, il faut tirer des leçons. C'est de revenir à la source. Mais ces jours-ci, on a vécu des événements. Il y a qui sont en train de dessiner une image à l'islam terrible, oui. L'islamophobie, tout ce qui se passe. Il devient très très important de revenir à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. pour donner la vraie image, la vraie image, ou le vrai visage de l'islam, de la miséricorde, de la cohabitation, ouais. Vous savez, Maître Migari, c'est que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le modèle. Oui, l'exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est-à-dire, vous avez en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple que vous devez ou vous devriez suivre
dans votre vie quotidienne, dans votre pratique de la religion. Tous les musulmans doivent prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant exemple. Celui qui est riche, il va trouver dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam des exemples pour apprendre comment qu'il doit se comporter en étant riche. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vécu des périodes aussi, des périodes où il était aisé. Celui qui a une femme, qui a une femme qui est mariée, il va en trouver aussi dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple du mari, hein, l'exemple du bon mari qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a une responsabilité quelconque, politique, je sais pas, sociale, etc., il va trouver aussi en la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple. Parce que le prophète alayhi salatu wasalam a vécu toutes ces situations-là et Allah azza wa jalla nous a demandé de regarder dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver en quelque sorte des signes qui vont nous orienter comment nous comporter. Et le musulman au quotidien, par rapport à son comportement vis-à-vis des autres, comment qu'il va se comporter vis-à-vis des non-musulmans, comment qu'il va se comporter envers les gens du livre, comment qu'il va se comporter avec son entourage, son voisinage. Il n'a qu'à regarder la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'elle a été racontée. Et pour vivre cette miséricorde-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a propagé autour de lui. Innama ana rahmatul muhdat. Et le juif, et le chrétien, et le mécréant, et le voisin, et l'épouse, et l'enfant, et tous les gens ont reçu de la miséricorde auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Jory, nous avons bout du fil, je m'excuse, Madame Rachida de Skikda. Allô, oui. Parfait. Voilà, je voudrais poser un problème à propos de l'héritage, une question à propos de l'héritage. À propos de l'héritage. Ah, de l'héritage, oui. L'héritage, oui, d'une maison. Oui, oui. Mon père, la Rahmou, nous a laissé une maison. Au mot, au fait, Kablo. Donc, un des ouj ammati, ou raj l'amti, la Rahmou, ou Ertin. Il doit le manaf mirat. Chauffe. On a que des filles. C'est donc le mana fil mirat. D'accord. Ça veut dire qu'il n'a que des filles, apparemment. Non, 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 non. Le garçon, c'est mon père, là, à ce moment. Ah, d'accord. Il va hériter de qui alors? Voilà, elle a hérité de. C'est-à-dire la maison, elle appartient à mon père. Et donc. Mais comme mon père, ma grand-mère, Andha Beba, ou Tlet Ahmed. Non, ce n'est pas clair. D'abord, c'est qu'il. Les héritiers de votre grand-père. Les héritiers de votre grand-père. Non, non. Alors, l'héritage, c'est une maison. C'est une maison qui appartenait à qui? À mon père. À votre père. Est-ce qu'il n'a pas de garçon, lui? À votre père, l'Arahmo. Comment? Est-ce qu'il n'a pas de garçon? Si. Il a des garçons. Des garçons. Donc, l'oncle n'a rien à hériter, puisqu'il a un garçon. Oui. Donc les oncles et tout ça, non, voilà. Les oncles et les tantes ne vont pas hériter. Hein. Non, ils ne rentrent pas dans l'héritage. Pardon, il y a sa mère qui est décédée avant lui. Voilà, avant lui. Avant lui, donc elle n'est pas héritière. Voilà. Pardon, elle est décédée après lui. D'accord. Ah, après lui. D'accord. Elle est décédée après lui. D'accord. Donc, un des tselts ammati, ou tselts ammati, c'est ça. Plourt. Donc, Ahmed, qu'ils vont hériter de la part de la part de la grand-mère. Le 1/6. D'accord. Mais la question que je pose. Oui. C'est-à-dire, leurs moyens sont limités. Ça, ils ont été catégoriques de ne pas prendre d'héritage. Oui. Ah, d'accord. C'est la question que je pose. C'est moral, là, monsieur. Voilà. Oui. Est-ce que Nahod Bklemhem ou la Kemakulem ou la Kifnaï? Ben oui. Ben oui. S'il y a des histoires, c'est-à-dire la part reviendra aux autres héritiers. D'accord. Les moyens sont limités, mais ils ont été catégoriques. Oui, oui. Ouais. Et les oncles et les tantes, tous. Oui. D'accord. Voilà. Donc, alors, cet héritage va vous revenir de Darwa, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Quand on revient à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il s'est comporté envers les mécréants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, a bâti une nouvelle nation et a fait de cette nation-là une composante multiraciale, une composante multiethnique et une composante aussi où il y avait beaucoup de religions et des gens appartenant à ces religions-là qui cohabitaient ensemble, ouais, sous une même charte, c'est-à-dire une même constitution. C'est ça, c'est un modèle de cohabitation dans toute l'histoire de l'humanité. Hein. Oui. Le prophète alayhi salam n'a jamais fait de ségrégation entre les habitants de Médine. On a respecté le droit de culte. Le droit de culte, le droit d'être différent, de différence, de peut-être de langue, de oui, différence de race, de couleur. Et tous étaient intégrés dans cette nouvelle nation-là. Tous les musulmans et les idolâtres et les gens du livre de Médine sont considérés par le premier point dans cette constitution-là. Ummatun wahidatun min dunin nas. C'est ce que se passait dans les quatre coins du monde. Voilà. Médine était un oasis. Barakallahu fik. Pour l'humanité. Voilà. Dans un Sahara. Dans un Sahara. Désert. Voilà. Et, barakallahu fik. Tfadda. Avec le temps, nous allons vers une toute petite transition pour entamer après les questions de nos chers téléspectateurs. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, nous revenons, Inch'Allah, après un instant. Restez avec nous. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور جوهري nous avons Boudjoufil عدنا الحاجة فاطمة دغو آل الحاجة مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مبروك الله يسلمك الله يخليك عندي واحد المشكلة كان دار خلتها لنا الوالدة وكتبتها لاختي في الجر مهدر وهذا الأخت راهي درك تحاوست تدخل هنا للبلاد والدار سمحنا لأختنا كتبناها لها الوالدة في حياتها كتبتها لها هيبة فوالا هيبة وانتخطان خلت بنت خوها ساكنة فيها كان دايرة دوموند على السكنة في الأديال وكي جاوا باش يديروا الغوسونسمون باش يعطوهم سكاني هاد السوسيال خلت عمتها على جهة ومشات سجلت روحها دروك عطاو السكنة للبنت الخو وهي قعدت بلا سكنة واش هذا من حقها ولا راهم ظالمينها نعم هي عندها الدار اللي وصلتها لها يماها صاي كانت مخلية بتخوها فيها زعما كانت تقارب باش يعطوها السكنة وكي جاو لا سي سيليبر بلي بابي ماشي خلاتها ساكنه ولا لابارتمون على اسمها على اسمها نعم دوك في القانون الجزائري ما عندهاش دروا لا بدروا في لا ديال لا اسمح لي الحاج مرحبا اختي نمشي في لا ديال بتخوها في لا ديال وكانت مسلفت لها الدار بلا ما خرجت لها السكنه بتخوها خلاص ايه بصح بتخوها مشات انسحبت من لا ديال وماركت على روحها السكنه كيفاه ماركات ولاش الاختي اللي هي عندها الهيبه تاع الوالده مي كيفاه ماركات باش اون دوموند دي بابي ماشي راهو ماركيت كومون لا في ولا كادستري الله اعلم الشيخ الله اعلم انا با دوا دروك كاع العائلات تخسرت وي وهذه الجهه وعندها كاع لي مالادي اللي كي قال لك ما يذكرهمش Elle n'a qu'à engager une procédure judiciaire voilà, pour récupérer son bien. Oui, Bien sûr. Elle doit engager une procédure judiciaire pour récupérer son bien et avoir des témoins que ça appartenait à sa mère. Peut-être qu'elle n'a pas fait les... si elle a l'acte, elle n'a qu'à la poursuivre en justice. Voilà. Oui. Ah non. Elle va casser ce jugement-là. Voilà. Il faut voir dire cassation du jugement. Il faut voir un avocat. Voilà. L'avocat d'a li had drahom qal ha say hada li qalou lna shkat lwali elle va changer d'avocat et engager une autre procédure judiciaire men haqqa hadi bien sûr men haqqa and rabbi men haqqa bien sûr an hayat w ktbtha lha voilà d'après wach qulti men haqqa d'après les détails que vous avez avancé hada haqqa c'est son droit bien sûr تصبروا بالك تاخذ وقت بالك مي ان شاء الله ربي يجازيكم كل خير اسمها ما حناش ظالمينهم الا دارت الشرع ولا لا ابدا استدوا ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله نهاركم مبارك شكرا مرحبا يا جماعه دكتور جوهري هذا Quand j'ai besoin d'un conseil, j'ai entrepris d'aller en Umrah avec ma mère, ma femme et ma sœur. Le voyage est programmé pour le 5 janvier 2018, Inch'Allah. Ma mère, qui est croyante et pratiquante, elle regarde votre émission d'ailleurs, ne veut pas y aller. Le voyage est payé et elle a juste à faire la valise. Quand je lui ai demandé pourquoi elle ne veut pas venir, elle a des excuses. 1. Je suis fatigué. 2. Je veux y aller avec mon argent. 3. Ce n'est pas le moment. 4. Je suis pas prête. Moi, je suis prête, mais... À chaque discussion, une nouvelle excuse.
J'ai vraiment triste de voir ma mère ne voulant pas courir vers Allah. Mes frères et sœurs ne savent plus quoi dire ou faire pour qu'elle change d'avis. Elle a des croyances sur la Mecque qui l'empêchent sûrement d'y aller. Aussi, elle a la croyance. Ça existe, oui, Anna. Pour elle, il faudrait aller à la Mecque juste avant de mourir. Comme si on Elle a la date. Car quand on revient, on n'a plus le droit de faire des péchés et qu'ils sont comptés doubles. Je voulais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire changer d'avis avant le 5 décembre 2017, car à cette date, je dois donner les documents de voyage et savoir si vous pouviez diffuser mon message, bien sûr. Docteur Jouhri va essayer de la convaincre, le Hadja. Inch'Allah, tu m'as dit, bon, vu qu'elle nous écoute, Inch'Allah, Allah yberk fik. Chère mère, voilà, on va vous dire que ce cadeau vous a été offert. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait un appel. Surtout Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait un appel. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. C'est-à-dire, il y avait une la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi vous a fait un appel, une invitation. Vous a donné une invitation. Est-ce que vous pouvez refuser cette invitation-là? Invitation de la part d'Allah et puis invitation de la part du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Surtout, surtout que tous les préjugés, toutes les idées que vous avez en tête sont archées fausses. Pourquoi? Parce que celle qui va y aller à la Umrah, c'est celle qui va revenir après la Umrah, inshallah. Ça sera toujours un être humain. Et tout être humain est susceptible de fauter. Kullu bani adama khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Se dire, voilà, se dire que qu'il faut être infaillible après avoir accompli le hajj ou après avoir accompli la umrah, ça c'est contre l'enseignement du prophète. Ça va à l'encontre de l'enseignement du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui nous dit que vous êtes tous fautifs. Et il faut se repentir toujours à chaque fois que vous fassiez une erreur, que vous fassiez un péché. Il faut se repentir pour effacer son péché. Et puis, est-ce que les péchés seront considérés doubles ou triplés, etc.? Il n'y a pas un texte, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui affirme ça. Non. Les péchés sont considérés par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avant le pèlerinage ou avant la Umrah, ou après le pèlerinage et la Umrah, de la même chose et de la même sorte. Et puis, est-ce que vous avez, en quelque sorte, auprès de vous, la date de votre mort? En se disant, c'est-à-dire faire la Umrah ou le pèlerinage juste avant la mort. C'est comme si vous avez cette date-là. Voilà. Est-ce qu'on a la date de notre mort? Barakallahu fik. Alors, il faut y aller de l'avant et dire A'udhu billahi min shaitan ar-rajim et accepter l'invitation d'Allah, une invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Jouhri, Satan, Shaitan, le diable, il est gêné, il va vous empêcher d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Le Satan, il va vous trouver des excuses. Le Satan ne va pas vous dire n'allez pas. Ouais. Il va vous insuffler, si vous permettez le mot. Et puis il faut être exemplaire. Je suis pas prête. Il faut être exemplaire pour accomplir le... Non. Et vous mettre les bâtons dans les roues pour non. Et le prophète alayhi salatu salam a dit dans un propos: إن التسويف من عمل الشيطان لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فإن التسويف من عمل الشيطان. تروحوا تدعينا ما إن شاء الله. تدعينا إن شاء الله. Nous avons bougé fil monsieur Fissal de Bijaya. Il est parti. إن شاء الله يعاود. معليش. دكتور جوهري أنا أقول لك est-ce que ma mère qui habite en France peut donner sa zakat al-mal à sa sœur en Algérie qui ne travaille pas et n'a pas de rentrée d'argent. Et ça a des revenus. Est-ce que l'argent de cette zakat
المال elle peut les donner à une personne qui va voir. Ah, il est revenu. Ouais. Allô, bonjour. Monsieur Faisal. Bonjour. Bonjour, marhaba. Je vais vous interroger sur le cas de trois amis, par exemple, trois amis. Oui. Quatre amis qui rentrent dans la mosquée après la prière. La prière accomplie derrière l'imam. Est-ce qu'ils peuvent faire une autre plour d'aroré? Oui. Parce que j'ai trouvé une petite souplesse dans le madhhab al-Hanafi, le madhhab al-Hanbali. Je ne sais pas pourquoi dans l'école malikite, il y a une petite... c'est un peu strict. Surtout quand on sait que l'imam il est sorti, par exemple, le moment où l'imam est sorti, il a quitté la mosquée, on ne peut pas lui demander... Ah, c'est-à-dire faire autorisation. Une autre prière est de groupe. Ah, une autre prière de groupe. Si on le fait, machi... Oui, c'est pas coïncidence. C'est ça qui a poussé l'école malikite, en quelque sorte, pour couper la route à ceux qui vont faire de cette façon-là une tradition répétée. C'est-à-dire ne pas avoir plusieurs prières de groupe dans la même mosquée. Ça va séparer en quelque sorte le rang des musulmans. Hein? Il faut demander chez les malikites, il faut demander permission de la part de l'imam de la mosquée. Et si l'imam ne... Parce qu'il sort vite. Voilà, il sort vite. Alors, sauf si on est voyageur. Hein. On préfère qu'on l'accomplisse pas. Pour ne pas créer en quelque sorte un alibi pour des gens qui vont pas faire la prière derrière cet imam là et qui vont trouver d'alibi qu'ils étaient en retard, etc. Et puis il y aura beaucoup de prières de groupe dans la même mosquée. C'est-à-dire, je voulais dire, docteur Johari, un des grands fondements de la jurisprudence dans les quatre écoles, qu'est-ce de dara'ir, c'est-à-dire l'acte qui est en soi licite, halal, mais qui peut dans des circonstances mener chose qui est illicite. Donc on l'interdit pour ne pas y arriver à cette chose-là qu'on craint. Malgré, on sait que l'intention n'est pas de mettre une salat en parallèle. Et puis ça a une relation aussi au jugement de la prière de groupe chez les malikites, parce que chez les malikites elle est considérée soit comme étant fard kifaya, c'est-à-dire s'il y a un groupe de gens qui font la prière du groupe, les autres ne seront pas châtiés parce que et puis lorsque vous allez à la mosquée en ayant l'intention de faire la prière du groupe, même que vous n'arriviez pas, c'est-à-dire au temps de cette prière là inchallah la récompense vous aura été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala par votre intention. D'accord. Chef docteur, est-ce que ma mère qui habite en France peut donner sa zakat à sa sœur en Algérie? Oui. Qui ne travaille pas, n'a pas de revenus. Bien sûr. La première question. Parce que zakat al-mal, elle n'a pas un temps vraiment précis, c'est-à-dire très écourté comme zakat al-fitr. Elle doit parvenir, c'est-à-dire aux nécessiteux avant la prière de l'Aïd. Alors on peut la déplacer d'une place à une autre. On peut la déplacer d'un pays à une autre et la débourser dans un autre pays. Et puis le deuxième volet de sa question concerne Le deuxième volet, est-ce que l'agent de cette zakat al-mal, elle peut les donner à une personne qui va voyager en Algérie et une fois sur place, elle peut les échanger au noir? Oui, elle peut les échanger, c'est-à-dire par leur valeur du marché, comme le font tous les gens qui changent de l'argent. Voilà. Docteur Johari. Ouais. Nous arrivons à terme cette émission. Merci pour vos réponses. Mesdames, messieurs, chers frères, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, dumtu fi ra'ayatillahi wa hifdhih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabb al-alamin. Allahu Allah. صل على طه الأمين.